suis Rachel Leduc, ambassadrice du potentiel des femmes, et aujourd'hui, nous allons parler de la vie. Et puis, j'aimerais ça partager avec vous les 5 façons que j'ai découvertes et que j'utilise pour toucher le cœur des gens. Donc, voici! Le numéro 1, demande à la personne c'est quoi sa mission dans la vie, c'est quoi son essence. Et quand on fait ça, ça démontre qu'on veut être vraiment intéressé et qu'on veut vraiment savoir qu'est-ce qui est important pour la personne. Vous allez entendre toutes sortes de choses. Il y a quelqu'un que sa mission, ça peut être une bonne mère. Quelqu'un d'autre, ça peut être de créer un orphelinat. Il y en a d'autres, ça peut être d'être policier pour la sécurité des gens. Il y a plein de missions dans la vie et chacun a la leur. Moi, comme tu sais, ma mission dans la vie, c'est d'aider les femmes à se réaliser à leur plein potentiel et m'assurer qu'elles savent qu'elles sont plus que assez. Et quand je parle de ça, c'est sûr que ça me fait plaisir et que je brille. Donc, de demander à une personne, c'est quoi ta mission dans la vie, c'est quoi ton essence, c'est sûr que tu vas lui toucher le cœur. Numéro 2, tu demandes à la personne, qu'est-ce qui t'est arrivé de plus beau dans la vie? Et en faisant ça, la personne va partager avec toi vraiment un moment de bonheur extraordinaire. Donc, pour toi, c'est sûr que ça va t'intéresser parce que, tu sais, elle va te raconter une super de belle aventure, quelque chose de fun. Et la plus belle chose qui peut t'arriver dans la vie peut être différentes choses. Ça peut être comme un voyage, ça peut être un accouchement. Il y a plein de choses. Et à chaque fois que je demande cette question-là, je suis toujours surprise et enchantée d'entendre l'histoire qui vient avec la plus belle chose qui est arrivée dans la vie. Numéro 3, tu demandes à la personne, c'est quoi ton plus grand talent? On a tous beaucoup de talent, on a tous énormément de forces, mais on n'a pas souvent l'opportunité d'en parler, de parler de c'est quoi nos forces puis nos talents. Fait quand quelqu'un nous demande ça, bien, ça démontre qu'on a de l'intérêt pour la personne et ça fait toujours plaisir et tout le monde aime parler de soi, tout le monde aime parler de ses forces. Donc, en demandant cette question-là, tu vas découvrir sur la personne et aussi tu vas peut-être découvrir des forces ou des talents que tu ne savais pas que cette personne-là avait et ça va être une belle surprise. Peut-être que ça va devenir des partenaires, peut-être que ça va bâtir ou agrandir l'amitié que vous avez déjà. Donc, ça peut juste être que du positif que de demander à quelqu'un de parler de ses forces et de ses talents. Numéro 4, c'est de demander à la personne ce pourquoi elle est le plus fière. Souvent, les mamans vont nous dire que leur fierté la plus grande, c'est leurs enfants. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Personnellement, la chose que j'ai faite dans ma vie pour laquelle je suis le plus fière, et Dieu sait que j'en ai fait des choses dans ma vie, je suis une fille de projets et de mille et une idées, mais celle que j'ai faite, mon plus bel accomplissement, la plus belle chose que j'ai faite dans la vie, je dois avouer que c'est mon livre « Défier le cancer pour vivre sa vie ». Vraiment, pour moi, c'est la plus belle chose que j'ai faite. Je raconte l'histoire de 20 femmes qui ont survécu un cancer. Et c'est tellement un livre d'inspiration et d'espoir. C'est la chose que je suis le plus fière. Fait que quand les gens me posent la question, je suis toujours heureuse d'en parler. Et ça va être la même chose pour toi quand tu vas poser la question à quelqu'un. Quelle est la chose pour laquelle tu es la plus fière? On veut toujours partager parce que c'est quelque chose qu'on est content et qui nous rend heureux. Le numéro 5, de demander à la personne, à quelqu'un, qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui fait ton bonheur? Et là, on découvre plein de choses. Ça peut être aussi simple qu'une bonne tasse de café, une vacance sur le bord de la mer, être en kayak sur une rivière, mes enfants. On apprend tellement à propos de la personne qu'on réalise aussi que les bonheurs, c'est pas nécessairement des grosses choses. Ça peut être trouvé juste dans des petits plaisirs de tous les jours. Donc, ce sont les 5 questions qui, ce sont les 5 questions que si elles me sont posées, ça me touche définitivement le cœur. Et je sais très bien que quand je pose une ou les 5 questions
à une femme, je sais que je vais aller la chercher directement dans son cœur et dans son essence et que je vais être capable de bâtir une belle complicité et un beau lien avec la femme avec qui je pose cette question-là. Et ça démontre aussi qu'on est des personnes de cœur et qu'on a de l'intérêt pour les autres. Donc, je suis Rachel Leduc, ambassadrice du potentiel des femmes. J'espère que ces 5 petites questions-là vont être utiles pour créer et tisser des liens d'amour et d'amitié. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à très bientôt. Et n'oublie pas de vivre ta vie à ton plein potentiel. Bye bye!